cette deuxième session, on est rentré vraiment dans le vif du sujet, sur nos thématiques à travailler, notamment pour ce qui me concerne la consommation. Et on a eu aussi, sur la première journée, la parole des experts qui nous ont permis de pouvoir étoffer certaines connaissances et puis bâtir le socle commun pour l'ensemble des citoyens. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur la consommation, on a travaillé dessus. Donc j'espère qu'on va pouvoir sortir des propositions techniques et notamment aider les Français à avoir un comportement plus vertueux vis-à-vis de la planète dans la consommation quotidienne et puis essayer d'inciter une nouvelle consommation écologique. Je constate déjà que dans les groupes, enfin, le collectif de la Convention des 150, et les sous-groupes de travail thématiques, en tout cas dans le groupe que j'anime, qui est le groupe Se Loger, qu'il y a vraiment une diversité d'origine. Et que du coup, c'est un vrai plaisir de travailler avec cette diversité parce qu'elle est très, à la fois enrichissante et elle pointe justement les vraies distinctions de points de vue, d'attentes, de situations de vie au quotidien, etc. Progressivement, on a des temps donc d'élaboration collective en petits groupes, de restitution auprès d'un plus grand groupe et finalement de validation collective de ce qui est produit par l'ensemble de ce processus, de l'individuel au collectif. Entre les deux week-ends, j'en ai profité pour prendre contact avec des gens de la Guadeloupe, comme je suis de la Guadeloupe, qui s'intéressent au climat, à l'environnement, et également qui sont dans des associations. Normalement, à l'issue de cela, je vais en Guadeloupe pour les rencontrer, pour avoir un peu plus d'informations. Avec Se Nourrir, on travaille principalement sur ce qui est agricole, donc les importations également, tout ce qui est autour de la nutrition des Français. Nous commençons déjà à proposer des choses, des solutions, trouver des alternatives, peut-être financières aussi. Donc ça rentre vraiment dans le fond de la convention maintenant. Socio Go Weekend est plus concret, il permet de rentrer directement dans les différentes thématiques. J'appartiens au groupe Produire Travailler. Comment on peut limiter les importations ou comment on peut les taxer pour que l'industrie française puisse repartir. Comment on aide les entreprises à passer à la prise en compte des problèmes environnementaux. Je pense qu'il y a moins de scepticisme parce que là on rentre dans le dur des sujets. Il faut apprendre à écouter l'autre, à ne pas vouloir garder la parole pour soi et à partager avec les autres. C'est un apprentissage. Hein. On est tous différents de culture, d'éducation, d'âge, donc c'est un apprentissage démocratique. J'intervenais dans l'atelier Travailler et produire. Je suis dirigeante de la CGT, je m'occupe des questions industrielles. Donc je devais apporter un éclairage particulier et amener, je l'espère, les citoyens à se poser quelques questions sur le sujet. Moi, je trouve que déjà, ils prennent assez facilement la parole, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et puis, ils posent vraiment des bonnes questions, des questions qui sont intéressantes, qui bousculent, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à se faire un avis, ils ne veulent pas se faire instrumentaliser. Donc, moi, mon avis est quand même assez positif sur la manière dont ils abordent les choses. Je suis dans le groupe Se Loger. J'ai été un peu envoyé en éclaireur de mon lycée pour répondre aux questions qu'on se pose, que ce soit dans des matières comme SVT, même en histoire, on parle du développement, de l'écologie, etc. Hier, à l'hémicycle, j'ai pu poser un certain nombre de questions, on y a répondu. Et je m'attends à ce qu'à la fin de tous ces week-ends, qu'on arrive à aboutir à quelque chose qui pourra aller vite et qui sera efficace. À plusieurs, en tant que plusieurs jeunes, avoir une force oratoire sur ce qui se passe, s'imposer dans l'hémicycle comme certains ont pu faire hier. Oui, c'est important, c'est sûr, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, on est écouté, c'est ce qui est très intéressant. Et je pense qu'on peut avoir un certain impact sur ce qui va être élaboré à la fin de ce week-end.